Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui marque le 75e anniversaire du massacre de résistants qui furent passés par les armes sur ordre de la Gestapo le 6 juin 1944. Ce drame est inscrit dans l'histoire profonde de notre ville. Au matin du 6 juin, alors que les Alliés viennent de déclencher une opération d'une envergure sans précédent pour repousser l'ennemi et que la flotte approche des côtes normandes, s'organise à la prison de Caen le massacre de résistants. Fait prisonnier par la Gestapo pour avoir bravé l'occupant nazi et pour avoir aidé les Alliés dans la préparation du débarquement tant attendu. Ils seront lâchement exécutés, par petits groupes et inhumés dans un premier temps dans les courettes de promenade de la prison. Selon les consignes, les prisonniers résistants de la maison d'arrêt devaient disparaître à jamais dans la nuit et le brouillard. C'est ainsi que près de 80 familles ont perdu un des leurs. La plaque gravée sur les murs qui vous fait face est dédiée à leur mémoire. C'est aujourd'hui, aux côtés de leurs familles, que nous sommes rassemblés pour nous recueillir sur le lieu de leur martyre, 75 ans après cet ignoble forfait. Ce temps mémoriel auquel nous assistons, toutes générations confondues, est présidé par Monsieur le Président de la République. Sont placés de part et d'autre des portraits des disparus, de la gauche vers la droite des arrière-petits-enfants de fusillés, Yvonne et Rouhari Daly, arrière-petits-enfants de Jean Cabi, Charline Douin, arrière-petite-fille de Robert Douin, et Jeannette Hollard, arrière-petite-fille, petite-nièce de Joseph Langeard, ils portent les flambeaux. À leur côté, les porte-drapeaux des associations de résistants, fusillés, déportés et Français libres. Nous avons l'insigne honneur d'accueillir Bernard Duval, résistant interné à la maison d'arrêt de Caen en 1944, qu'il a quitté en mai pour la déportation. Se sont jointes à la commémoration les jeunes générations, 22 élèves d'une classe de CM2 de l'école Jean Moulin et 17 élèves de l'école du Clos Herbert. Bernard Duval va prendre la parole au nom des résistants suppliciés du 6 juin 1944. Arrêté le 10 mars 1944 devant sa mère pour fait de résistance à l'âge de 19 ans, il a été jeté ici en prison. Le 4 juin, il sera déporté au camp de Neuengamme, puis transféré au camp de Sachsenhausen. Son matricule, 84 364, lui tenait lieu d'identité. Il échappera de quelques jours au destin tragique de ses compagnons de cellule avec lesquels il a été interné. Bernard Duval porte toujours en lui les stigmates de cette tragédie. Il est la mémoire de leur chair sacrifiée. Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs le ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Il y a 75 ans, était perpétré dans cette prison un de ces massacres que seul le régime nazi savait orchestrer. Sous la poussée des armées alliées, fraîchement débarquées sur nos côtes, les Allemands ont voulu soustraire à leurs ennemis les détenus résistants qui étaient internés dans les cellules de cette prison. Il a été dit que, par pénurie de moyens de transport et devant l'impossibilité d'un transfert de ces prisonniers vers un autre lieu, la Gestapo de Caen ordonna de procéder sur place à l'élimination pure et simple de ces résistants. C'est alors que dans la matinée de ce 6 juin 1944, par groupe de 6, mains sur la tête, les suppliciés ont été enfermés dans ces petites courettes destinées aux promenades où ils furent fusillés. Une interruption à ces exécutions eut lieu dans l'heure de midi et malheureusement, elles reprirent l'après-midi. Au total, le nombre de personnes exécutées est évalué à environ 80 résistants qui perdirent ainsi la vie sous les balles des SS tirées au travers de la porte d'accès à ces courettes. Dans un premier temps, leurs corps furent inhumés dans des fosses creusées à la hâte au milieu de ces courettes. Puis plus tard, leurs dépouilles furent exhumées pour être transférées dans un lieu qui, jusqu'à ce jour, reste inconnu. En dépit de nombreuses hypothèses et de témoignages déjà formulés quant au déroulement de cette tragédie, le mystère reste pour nous entier. Chaque année, à la date anniversaire de ce jour, l'administration pénitentiaire autorise les familles de ces fusillés à pénétrer dans cette prison jusqu'au lieu de leur sacrifice afin de s'y recueillir. Détenus dans ce lieu du 10 mars au 20 mai 1944, j'ai quitté cet endroit 15 jours avant ce terrible massacre, ayant fait partie du dernier convoi constitué de 28 prisonniers qui partirent enchaînés deux par deux à destination des camps de concentration en Allemagne. Ce n'est qu'au retour de déportation que nous, les survivants des camps de la mort, eurent connaissance de cette grande tragédie qui met fin à la vie de ces gens si valeureux et qui nous étaient si chers. En 1944, Maurice Hardy était un des leurs. Il est ouvrier boulanger à Caen, réfractaire au STO. Il rejoint les francs-tireurs et partisans du maquis de Pont-et-Coulant. Il participera à des coups de main audacieux et sera capturé par la gendarmerie française, puis livré aux autorités allemandes. Transféré à Rouen, il sera conduit à la maison d'arrêt de Caen le 5 juin 1944 avec son ami Serge Dumont, où ils seront lâchement fusillés le lendemain. La citation suivante lui sera décernée à titre posthume. Jeune patriote, membre d'un maquis qui a manifesté dès 1943 une grande et courageuse activité. Arrêté à la suite d'un combat inégal contre la police, les gendarmes et les feltgendarmes, a été torturé
et a disparu lors du massacre des patriotes détenus à la prison de Caen. Jean-Marie Anne, neveu de Maurice Hardy, va procéder à la lecture de la lettre que son oncle a écrite à sa maman quelques jours après son arrestation. Prison de Rouen, le 14 avril 1944. Chère maman, je te mets ces quelques lignes pour te donner de mes nouvelles qui sont passables. J'espère que pour toi la santé est très bonne et qu'à la maison tout le monde va bien. J'ai été arrêté le 1er avril à Pont-Écoulant. Je te demanderai de m'apporter une paire de chaussures car lorsqu'ils m'ont arrêté, je n'ai pas eu le temps de mettre de chaussures. Alors, depuis ce temps, je suis nu-pied sur le pavé. Je te demanderai aussi de m'apporter du linge de corps, ainsi que du papier pour écrire, un crayon, une bonne serviette et du savon. Chère maman, j'espère que tu feras ton possible pour tout ce que je te demande. Pour le colis de vivres, je compte sur les biscottes que vous pourrez acheter à Rouen, 1 kilo, si tu as le temps de faire toi-même des sablés faits maison. Si tu n'as pas le temps, va chez l'oncle André, c'est-à-dire où tu voudras, où que tu pourras. Chère maman, je ne suis pas jugée, je pense l'être d'ici peu de temps. Chère maman, j'espère que tu viendras me voir le plus tôt possible. Car c'est dans un moment comme je me trouve, que l'on a une mère aussi bonne que toi. Je pense que tu peux m'écrire. Dis à Georges qu'il te donne un peu pour les biscuits et les biscottes. Chère maman, tu pourrais peut-être demander à Odette si elle a quelque chose pour moi. Ma chère petite maman, je ne vois pas autre chose à te dire. Bonjour à tous ceux qui me connaissent et à bientôt de tes nouvelles et de te voir. Ton fils Maurice, qui regrette beaucoup de choses et qui t'embrasse de tout cœur, ainsi que toute sa famille. Maurice, apportez-moi un béret basque du 54. Appel des noms des fusillés et des pots de roses. Les représentants des familles vont procéder à l'appel des noms des résistants cannais et calvadosiens suppliciés suivant les réseaux, les mouvements ou groupes de résistance auxquels ils appartenaient au moment de leur arrestation. Tous ont lutté avec courage contre l'obscurantisme nazi et fait preuve d'une audace incroyable pour éviter que l'âme de la France ne passe à l'ennemi. Grâce au travail de grande ampleur et toujours dangereux accompli par les réseaux de résistance, les Alliés n'ignoraient presque rien du système défensif qui les attendait en prenant pied sur les côtes normandes. Les actes de sabotage liés au plan vert, quant à eux, ont entravé l'avancée de l'occupant, tandis que d'autres se livraient à des activités de propagande clandestine destinées à éveiller les consciences. Après l'appel des noms, je vous invite à reprendre ensemble la formule « Mort pour la France ».
Quelques roses blanches seront déposées au pied des portraits par les familles de fusillés à la mémoire de leur ascendant. Un temps de recueillement sera observé sur le lieu de leur souffrance. Les fusillés appartenant au réseau Alliance. Le réseau Alliance est un réseau de renseignement travaillant pour les Britanniques. Je vous invite à vous lever. Le réseau Alliance est un réseau de renseignement travaillant pour les Britanniques. Fondé dès le début de l'occupation, le groupe du Calvados est dirigé par Robert Douin en 1943. Grâce à l'action conjuguée de Robert Douin et de Jean Caby, il compte une quarantaine de membres. En août 1943, les Anglais demandent à leurs contacts de leur fournir un maximum d'informations sur les défenses allemandes du mur de l'Atlantique. À l'hiver de 1943-1944, une carte de 17 mètres de long est remise au chef du réseau, Marie-Madeleine Fourcade. Entre mars et mai 1944, plusieurs rafles sont menées par la Gestapo. Les résistants sont impitoyablement torturés. Le 6 juin, le réseau perdra 16 de ses membres. Lecture des noms des 16 fusillés du réseau Alliance par Marc-Antoine de Saint-Paul, fils du comte Guy de Saint-Paul, suivi du dépôt de roses blanches par les familles. Albert Anne, 35 ans, Charon. Robert Boulard, 43 ans, facteur. Jean Caby, 32 ans, artisan radioélectricien. Guy de Saint-Paul, 30 ans, exploitant agricole. Antoine de Touchet, 58 ans, commandant en retraite. Robert Douin, 48 ans, directeur de l'école des beaux-arts de Caen. Auguste Duval, 38 ans, boucher. Joseph Langeard, 35 ans, cultivateur. Jean Le Baron, 42 ans, agent d'assurance. Désiré Lemière, 46 ans, cultivateur et agent auxiliaire des PTT. René Lollier, 31 ans, employé de la Société électrique de Caen. Ernest Margerie, 33 ans, employé de la Société électrique de Caen. Maurice Primo, 36 ans, employé de commerce. André Robert, 28 ans, cultivateur. Georges Tomine, 37 ans, patron pêcheur. Mort pour la France.
les fusillés appartenant au réseau Arc-en-Ciel. Le réseau Arc-en-Ciel est fondé en novembre 1942 à l'initiative de plusieurs agents du Bureau central de renseignement et d'action créé par le général de Gaulle en juillet 1940. Il travaille exclusivement dans la zone nord et se développe rapidement dans la région parisienne et en Normandie. Sa mission est la collecte de renseignements sur le mouvement des troupes ennemies. Il participe notamment au contre-espionnage en tenant à jour les effectifs de la Gestapo. Les renseignements sont transmis à Londres par Pigeon Voyageur ou par l'intermédiaire du réseau Turma Vengeance. Localement, le réseau fabrique de nombreux faux papiers pour ses agents et pour les réfractaires au STO qui refusent de travailler pour l'ennemi en Allemagne ou sur les chantiers de l'organisation TOT. Le 3 mai 1944, un commando venu de Paris assassine à Caen Lucien Brière, un agent français de la Gestapo particulièrement zélé. Les services de répression allemands frappent l'organisation caennaise pour leur arracher des aveux. Arrêtés, 7 membres seront fusillés le 6 juin. Lecture des noms des 7 fusillés du réseau Arc-en-Ciel par Agathe Novak Le Chevalier, arrière-petite-fille de Louis Le Chevalier et arrière-petite-nièce d'Anatole Lelièvre, suivie du dépôt de roses. Maurice Dutac, 41 ans, cheminot. Louis Lecomte, 54 ans, employé de banque. Yves Le Goff, 23 ans, rédacteur à la préfecture du Calvados. Anatole Lelièvre, 41 ans, employé à la SNCF. Raymond Poli, 47 ans, débitant. Roland Postel, 24 ans, employé à la préfecture du Calvados. Roger Veilla, 47 ans, commerçant, mort pour la France. Les fusillés appartenant au réseau Cohors et Asturies. Les réseaux Cohors et Asturies ont été fondés par le philosophe Jean Cavaillès. Dans le Calvados, Cohors a été mis en place par Alexis Lelièvre et le réseau Asturies par Pierre Odiger, deux anciens camarades du lycée Malherbe. Ils centralisent des renseignements de plus en plus nombreux sur les défenses de Cherbourg et de Ouistreham. La construction de rampes de lancement de V1, l'extension des asperges de Rommel dans la plaine de Caen, les fossés anti-chars creusés au nord de la ville, les installations de la caserne Lefebvre à l'intérieur du château de Caen, occupé par les Allemands. Divers dépôts de munitions
et d'essence. Ils seront dénoncés, arrêtés et fusillés le 6 juin. Lecture des noms des fusillés du réseau Corps Asturie par Anne de Montreau-Catros, petite fille de Pierre Audiger et dépôt de Rose Blanche. Pierre Audiger, 35 ans, chirurgien dentiste. Alexis Lelièvre, 34 ans, inspecteur de l'assistance publique. Il a apporté son aide aux enfants juifs du fait de ses fonctions. Mort pour la France. Les fusillés appartenant à l'organisation civile et militaire, OCM des groupes Monchamp et du docteur Derrien. Créée en décembre 1940, l'organisation civile et militaire est composée de civils et d'officiers de réserve rendus à la vie civile après la débâcle. Au printemps 1942, les chefs de l'OCM décident d'implanter cette organisation en Normandie. Le quartier général est installé à Caen et le réseau regroupe d'anciens camarades de l'armée des volontaires. Très vite, l'OCM se double d'un réseau de renseignement Century et d'un réseau d'évasion destiné à secourir les aviateurs alliés tombés dans la région. En 1943, la fusion de l'OCM avec ceux de la Résistance en fait la première organisation du Calvados. À Monchamp, elle y est implantée de manière importante et malheureusement, la répression nazie est particulièrement brutale dans cette petite bourgade du Bocage. À Argens, un groupe s'est construit autour du docteur Derrien et de l'abbé Bousseau. Aguerri dans la dissimulation des réfractaires au STO qu'il recrute. À l'heure du débarquement et par vagues successives, ce sont 25 résistants de l'OCM, du Calvados, qui s'effondrent sous les balles allemandes. Lecture des noms des 12 fusillés de l'OCM appartenant au groupe de Monchamp par Laurence Collet, petite fille de François Collet et dépôt de Rose Blanche. Roger Auvray, 22 ans, ouvrier agricole. René Bizet, 22 ans, domestique de ferme. François Collet, 38 ans. Maréchal des logis. Alexis Lair, 25 ans, journalier agricole. Henri Lair, son père, 54 ans, cultivateur et marchand de beurre. Camille Lamoureux, 23 ans, ouvrier agricole. Olivier Le Foll, 60 ans,
boulanger. Pierre Ménochet, 32 ans, gendarme. Jean Moncion, 54 ans, artisan maçon. Henri Morel, 60 ans, agriculteur et marchand de chevaux. Marcel Vincent, 50 ans, artisan peintre. Mort pour la France. Lecture des noms des 13 fusillés de l'OCM appartenant au groupe de résistance du docteur Derrien par Joël Chaléa, suivi d'un dépôt de roses par les familles. Maurice Billy, 32 ans, réfractaire au STO. Victor Bousseau, 63 ans, curé d'Ouilly-sur-Tesson. Henri Carrel, 22 ans, ouvrier agricole. Mort pour la France. Paul Chaléa, 35 ans, employé à la, à la voirie de la ville de Caen, réfractaire STO. Paul Derrien, 51 ans, docteur en médecine. Jean Giraud, 39 ans, courtier en assurance. Gabriel Jam, 23 ans, réfractaire au STO. Louis Le Chevalier, 48 ans, cultivateur. Charles Sevestre, 22 ans, ouvrier ajusteur réfractaire au STO. Raymond Vessier, 39 ans, assistante du docteur Derrien. Robert Vigouroux, 22 ans, employé d'usine réfractaire au STO. Paul Vigouroux, son frère, 21 ans, étudiant réfractaire au STO. Paul Vivier, 23 ans, réfractaire au STO. Mort pour la France. Les fusillés appartenant au réseau
franc-tireur et partisan français et au Front national de la gare de Caen. Le Front national pour l'indépendance de la France est créé par le Parti communiste français au printemps 1941. Il se dote d'un bras armé, les francs-tireurs et partisans français. Leur rôle ? Récupération d'armes, actes de sabotage, intimidation, attentats, distribution de tracts de propagande à destination de la population, édition de brochures clandestines, engagement dans la lutte contre le STO et dissimulation de réfractaires. Dans le Calvados, la nature accidentée de certains terrains est propice à la dissimulation de repères de maquisards aguerris. Les membres du maquis Guillaume le Conquérant de Pontécoulant sont particulièrement audacieux. Ils n'hésiteront pas à commettre des attentats à haut risque qui seront âprement réprimés par l'ennemi. À Caen, le rôle joué par les cheminots au sein de la résistance est considérable. Le groupe Front national de la gare de Caen est un vivier d'hommes téméraires qui se livrera de manière quasi systématique à des actes de sabotage sur les locomotives et wagons réquisitionnés, à fragiliser le matériel destiné aux Allemands, à désorganiser sans cesse l'activité pour la ralentir. Leurs agissements seront violemment combattus par des individus en interne et réprimés par la Gestapo après d'abjectes délations. Elles seront suivies par des arrestations d'une rare violence perpétrées dans la rue ou au domicile des résistants devant leur famille. 12 hommes seront ainsi traités sans ménagement, torturés, jetés en prison et fusillés le 6 juin 1944. Lecture des noms des 12 fusillés appartenant au réseau des FTP et Front national de la gare de Caen par Christian Haro, fils de Maurice Haro, et des pots de roses par les familles. Maurice Haro, 29 ans, cheminot à Caen. Achille Boutrois, 25 ans, ouvrier au dépôt de la SNCF. Michel Boutrois, son frère, 19 ans, ouvrier au dépôt. Serge Dumont, 19 ans, membre du maquis FTP de Pontécoulant. Maurice Hardy, 21 ans, ouvrier boulanger, membre du maquis FTP de Pontécoulant. Jean Hébert, 18 ans, FTP de Caen. Joseph Picnaud, 49 ans, employé de la SNCF. Bernard Picnaud, son fils, 23 ans, employé de la SNCF. Désiré Renouf, 18 ans, employé de la SNCF. Louis Renouf, 26 ans, prisonnier de guerre apatrié. Pierre Trévin, 19 ans, ouvrier cuisinier réfractaire au STO. Bernard Renault, 18 ans, membre du maquis FTP de Pontécoulant, mort pour la France.
À côté de ces organisations cohabitent les maquis, les réfractaires au STO, les membres des FFI et nombre de fervents opposants à l'occupant qui n'étaient pas nécessairement rattachés à des réseaux, des groupes ou des mouvements. D'autres étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Arrêtés, remis aux autorités allemandes, ils ont partagé le même sort tragique que leurs compagnons de cellule. Lecture des noms des 9 fusillés par Roger le capitaine, fils de Roger Veilla et des Peaux de Rose. Louis Bourdon, 23 ans, réfractaire au STO. Émilien Cosnard, 21 ans, réfractaire au STO. Jules Leboeuf, 65 ans, commissionnaire au STO. Serge Oiseau, 22 ans, réfractaire au STO. Georges Madoré, 25 ans, arrêté pour des raisons restées inconnues. Colbert Marie, 17 ans, commis boucher, arrêté pour des raisons restées inconnues. Georges Martin, 39 ans, lieutenant de gendarmerie, résistant, armée secrète. Georges Noël, 22 ans, ouvrier agricole, réfractaire au STO. Roger Roussel, 19 ans, ouvrier coiffeur. Mort pour la France. Les élèves des classes de CM2 des écoles Jean Moulin et Duclos Herbert, qui sont derrière moi, ont réfléchi au sens profond de l'engagement et du sacrifice de ces hommes et de ces femmes. Ils préparent depuis plusieurs mois, avec leurs professeurs respectifs Olivier Fossé et Lydie Été, cette phase de la cérémonie et vont procéder à la lecture du message destiné à leurs aînés sacrifiés, portant sur l'évocation des mots « devoir de mémoire »,« résistant », »,« guerre », »,« courage », »,« paix » et « liberté ». Inscrits sur des bleuets, ils déposeront leurs intentions par groupe de 5 et s'inclineront devant ceux qui ont refusé l'asservissement et la honte. Lecture successive des messages par les élèves du Clos Herbert, suivi de l'école des élèves de l'école Jean Moulin. Milan. La fraternité, c'est aider et soutenir. Raphaël. Résister, c'est ne pas se soumettre et ne pas accepter la barbarie.
Léna. La liberté, c'est le bonheur de pouvoir faire ce que l'on souhaite. Juliette. Le courage, c'est des hommes et des femmes qui se battent pour le pays et ne savent pas s'ils vont revenir vivants. Félix. Pour moi, un résistant, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre et qui, pour cela, sabote des trains de munitions, transmet des messages ou même tue des nazis, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Anatole. Pour moi, le courage, c'est le fait d'aider, réaliser ou reproduire des actes qui permettent de sauver des gens ou un pays en affrontant ses peurs et en risquant la mort. Sarah. Pour moi, le devoir de mémoire, c'est rendre hommage aux morts civils, aux soldats et résistants pendant la guerre. Martin. Pour moi, la liberté, c'est le droit de dire, de faire et de penser ce que l'on veut sans avoir de problème avec des personnes. Mathis. Pour moi, la paix, c'est quand on a cessé de se battre pour notre camp et qu'on recommence notre vie normalement. En hommage à toutes celles et tous ceux qui sont restés debout et se sont élevés contre la barbarie nazie, les élèves vont chanter l'hymne de la résistance française, le chant des partisans, interprété par l'harmonie municipale, la Fraternelle. Vous êtes invités à chanter avec eux. Thank you.
Les autorités désignées vont maintenant procéder au dépôt d'une rose au pied des portraits des fusillés. Un temps de recueillement sera observé avant de se repositionner sur les rangs protocolaires. Sont invités à déposer une rose. Joël Bruno, maire de Caen. Pour les parlementaires du Calvados, Fabrice Le Vigoureux, député de la circonscription. Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados. Serge Tougard, représentant Hervé Morin, président de la région Normandie. Sophie Simonet, représentant Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados. Jean-Marie Landais, au titre de la direction de la maison d'arrêt de Caen. Et Jean-Pierre Hébert, président de l'association des déportés, internés, résistants, patriotes et familles de disparus, souvenirs et jeunesse. Monsieur le Président de la République, vous êtes invité maintenant à déposer une gerbe, accompagnée de Clémence et de Camille Dutac. Le dépôt de gerbe sera suivi de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et des couplets 1 et 7 de la Marseillaise. Le couplet numéro 7 de notre hymne national, appelé le couplet des enfants, a été choisi par les élèves. Introduit pour la fête civique du 14 octobre 1792, il permet d'associer les enfants dans la continuité républicaine.
Bonsoir.